Qu'est-ce que vous faites quoi là? Hein? J'ai demandé aux enfants d'entrer, ce sont les enfants que je dois circoncire. Vous faites quoi ici? Docteur, je suis venu vous faire circoncire. Vous êtes venu vous faire circoncire? À quel âge? Hein? C'est la campagne des enfants et non des papas comme vous. Monsieur, vous, vous êtes là pourquoi? Tu es venu l'accompagner, donc tu as, il y a un enfant qui est couché là. Pardon, ça va attendre là-bas, la salle d'attente. Tu es son frère, tu ne pourrais pas dire qu'il doit couper ça depuis. C'est maintenant que tu viens l'accompagner. Hein? Donc tu es au niveau où tu viens te faire circoncision, on t'accompagne même. Un papa comme toi là, c'est quoi? C'est mon frère. C'est ton frère. Vous êtes venu ici là pour traumatiser. Je n'ai jamais reçu le genre de malade ici. Depuis les plus de 50 ans que je travaille, je n'ai jamais circoncision un monsieur comme vous. Ne venez pas me déranger. Je ne veux pas la sorcellerie le matin. On demande aux enfants de venir. Un papa comme toi là, tu viens jusqu'à ce que tu te bouges. Si j'avais su que tu venais pour ça, je ne devais pas te recevoir. On demande aux enfants de se circoncire. Toi, tu faisais quoi de plus? Ça, c'est pour me déranger. Hein, mon garçon? Docteur, mes amis m'ont conseillé que si je gardais jusqu'à l'âge, ça devait devenir gros. Donc, tes amis t'ont conseillé pour que ça devienne gros. C'est pourquoi je voulais avoir un gros truc. Et ce n'est pas gros. Ce n'est pas gros, c'est un même truc que tu as dans tes jambes là. Donc tu as perdu ton temps pour rester avec un petit truc comme le verbe là. Tu as perdu ton temps pour rester avec un petit truc comme le verbe là. Pourquoi vous m'insultez? Je ne t'insulte pas, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a quoi là? Tu voulais que ça soit gros. Un costaud monsieur dodu comme ça là, tu n'es pas assez foncé. Je vais couper ton col roulé là et je ne vais pas laisser. Même si ça fait mal, tu vas supporter parce que j'ai en face de moi un monsieur. Je ne dois pas être douce. Ça te fait doucement, non? Doucement quoi? Hein? Tu me demandes de faire doucement, c'est toi qui me dis ce qu'il doit faire. Fais doucement. Tu vas seulement supporter. Mon gars, c'est quoi ça? À peine je touche, il y a le coup. Je vais couper comment? Docteur, ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais, que ça se baisse. Je vais couper comment? Parce que je suis trop actif. Tu es actif et c'est sur moi que tu veux venir être actif. Je veux couper mon garçon, calme-toi, calme tes esprits. C'est parce que vous me touchez. Et je vais te couper comment ça te toucher. Docteur, doucement. Pourquoi ça ne fait que se lever? Docteur, c'est pas moi qui fais. Adéba! Adéba! Adéba, regarde la situation. Le monsieur, s'il vient de se faire circoncire, regarde. Et où il est là, dès que je le touche, là, il y a debout. Le papa, c'est... Oui. On a lancé une campagne des enfants de 3 à 10 ans, mais... C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie en pleine journée. Docteur, j'ai profité de la campagne. Tu as profité de la campagne. Et tu as le courage de parler. Akeba, tu vas te couper de lui. C'est lui qui a payé le moment. Tu vas te couper de lui. Moi, je ne veux pas m'occuper d'un cas comme ça. Dès que je touche les mains, il est debout. Je ne sais pas ce qu'il veut. Occupe-toi. Docteur, c'est lui qui va me toucher. Je ne veux pas. Sans que tu ne veux pas t'anesthésier. Parce que tu as assez vieux pour t'anesthésier. Tu vas supporter la douleur comme ça. Docteur, ça va me faire mal. Tu vas supporter. Mon garçon, qu'est-ce que tu attendais depuis? Docteur, mes amis m'ont conseillé que si je gardais jusqu'à l'âge, si ça devait devenir gros. C'est pourquoi j'ai gardé. Ah bon? Et qui t'a dit que lorsque tu es en groupe, tu fais du bon travail? Tu es sûr que ça plaît aux femmes? Docteur, quand c'est petit là, la femme ne ressent rien. Qui t'a dit ça? Moi, ma part est petit, mais les femmes quoi après moi? Je sais comment, docteur. Je suis résistant, mon petit. Docteur, moi, je veux que c'est la dame qui me coupe. Mais pourquoi tu insistes sur la dame? Tu l'aimes déjà. Je ne vais pas t'anesthésier. Tu as assez grave, tu vas supporter. Comment ça, docteur? Ça va faire mal. Non, tu vas supporter la douleur. Tu vas vouloir avoir un bloc, non? Supporte. Qui m'a envoyé ici? Ici. Docteur, pardon, non? Docteur, ça fait mal! Docteur! Aïe! Calme-toi! Oh. Docteur, ça fait mal! Calme-toi! Tu sais que je fais mon travail! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 docteur, ça fait mal! Calme-la, oh! Aïe! Aïe, le gros machin s'est évolué comme ça, c'est quoi ça? Tu veux voir mon petit? Non, docteur! Non! Aïe! Aïe, docteur, c'est bon! Aïe, aïe! Ok, c'est bon. Et là, on va couper. Ok. Docteur, parle doucement. Aïe. Tu m'as envoyé ici. Hey, monsieur, vous êtes venu pour votre appartement.
Oui, docteur. La blessure guérit quand même bien. Oui, docteur. Mais je ne comprends pas pourquoi tu attaches ton poing sur les reins. Hein? Quand on te circoncis, tu lui attaches le poing au cou pour ne pas t'étouffer. Comment t'as circoncis? Elle est ma fille, donc tu l'arrêtes comme ça, je ne sais pas ce qu'il vient faire ici à l'hôpital. Non, il m'a dit qu'il avait les maux de tête, que je l'accompagne. Les maux de tête? Donc depuis que vous êtes ensemble, vous n'avez jamais fait? Non, il m'a dit qu'il se procédait pour le mariage. Pour le mariage? Hein? Oui. C'est maintenant qu'on a coupé son machin, on a coupé ça l'autre jour. C'est comment? Mais tu es avec ta copine, tu ne dis pas la vérité à ta copine comment? Vous fonctionnez comment? Il t'a pas dit qu'il n'était pas encore coupé. Ça va bien qu'on a coupé. Ta copine ne connaît pas ceci. Toi aussi, c'est comment? C'est comment? Ok. Ta bouche est toujours dans les choses déjà, c'est comment? A tes bas, c'est quoi? A tes bas, pourquoi tu me parles mal? Je ne dois pas dire la vérité au jeune homme. C'est comment? Tiens, comme tu parles fort. Va faire ton pansement. Marche, tu pars. Honte à toi. Donc, depuis là, ta baladée, c'est même pas coupé. Ma fille, je ne sais pas pourquoi tu t'échauffes là maintenant. Le conseil que je vais te donner, quand tu sois avec un homme, il faut l'étudier. Regarde. Donc, il est là, il n'est même pas encore coupé. Tu ne connais pas. Mais tu avais lu chaque jour qu'il se préserve pour le mariage. Ben là. Il faut être sage.